De retour pour la deuxième journée des 24 heures chrono de l'international sur les plateaux de TV5 Monde, 12e ville de par le monde, Jakarta. Nous arrivons en Indonésie et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir notre ambassadeur de France à Jakarta, Corinne Brezet. Corinne Brezet, bonjour, vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Très bien, merci. Enchanté de vous avoir sur le plateau. Alors, je profite de vous avoir. Présentez-nous un peu justement cette communauté française à Jakarta, un peu comment vous voyez les choses, la dimension, un peu l'histoire et l'implication économique de nos entreprises. Alors aujourd'hui, la communauté française d'Indonésie, plus que de Jakarta, est de près de 4000 personnes, composée très majoritairement d'hommes. De jeunes actifs. Elle est répartie principalement entre deux pôles, Jakarta qui tient à lui seul 43% de la communauté et Bali 38% et le reste réparti à peu près également sur les principales îles de l'Indonésie. Comme je le disais, ce sont principalement des jeunes actifs. La population est plutôt jeune avec à Bali malgré tout un certain nombre de retraités compte tenu du caractère agréable, du coût de la vie beaucoup moins élevé qu'en France et des opportunités de travail. Nous avons une communauté qui est composée principalement de personnes travaillant dans le secteur privé puisque sur ces près de 4000 Français, à peu près une centaine seulement sont expatriés dans le cadre des autorités françaises et des institutions liées au gouvernement français. Tout le reste, ce sont plutôt des personnes dans le privé et avec une majorité à Bali d'auto-entrepreneurs. Nous avons aujourd'hui donc cette communauté qui est de 4000. Il faut savoir que dans les années 90, elle était bien plus élevée. Nous avons aujourd'hui à peu près 150 entreprises françaises présentes en Indonésie. Nous en avions 450 dans les années 90. Qui a marqué vraiment les belles années de la présence française en Indonésie avec beaucoup de coopérants, beaucoup d'entreprises. Et la crise asiatique de 1998 a marqué un coup d'arrêt très, très brusque à cette coopération extrêmement intense avec l'Indonésie. Nous avons aujourd'hui un attrait très fort pour l'Indonésie et plusieurs entreprises sont revenues. Vous avez sans doute en mémoire l'inauguration par L'Oréal en novembre 2012 de sa plus grande usine de fabrication mondiale. Et puis, nous avons eu l'année dernière l'annonce par Renault de son retour, l'annonce par Michelin d'une joint venture pour la fabrication de caoutchouc synthétique, le retour de la Société Générale aussi, puisque toutes les grandes banques françaises étaient présentes dans les années 90, il ne restait plus que BNP Paribas. Donc, petit à petit, un certain nombre d'entreprises françaises reviennent. Et c'est évidemment sans compter celles qui ne sont jamais parties, comme GDF Suez, comme Total qui est là depuis plus de 45 ans, comme Orange, comme CLS Argos par exemple, etc. Donc il y a malgré tout un tissu permanent d'entreprises françaises en Indonésie, sur place, mais qui mérite à être étoffé compte tenu des énormes potentialités qu'il y a en Indonésie. Merci Madame l'Ambassadeur. Vous intervenez pendant l'émission quand vous voulez, vous me faites un petit signe et vous intervenez, il n'y a pas de problème. Alors, pour démarrer cette émission, j'ai deux invités en parallèle, bien évidemment. Jean-Philippe Compin. Alors Jean-Philippe Compin, vous êtes entrepreneur, vous êtes une de ces PME qui veulent s'installer à Jakarta. Absolument. Bonjour. Bonjour. J'ai créé AguaSmart il y a de ça 3 ans en ayant constaté par mes voyages à travers le monde que beaucoup de sites isolés ne bénéficiaient pas d'énergie pour accomplir beaucoup de tâches, en particulier pour potabiliser l'eau dont ils avaient besoin, comme vous et moi, pour boire chaque jour. Donc vous avez créé des cellules autonomes pour rendre potable l'eau sur place. Voilà, j'ai créé avec l'aide d'Oseo à l'époque, BPI aujourd'hui, des unités de potabilisation d'eau capables de traiter les eaux de mer, les eaux saumâtres et les eaux de surface, forage, puits, avec l'idée de faire un matériel simple à utiliser, simple à entretenir et produisant une eau pour moins de 1 centime de dollars le litre selon les recommandations de l'OMS. Très bien, merci. Et on reviendra bien évidemment sur toute votre implantation à Jakarta dans quelques instants. Alors, Claire Echalier, vous étiez sur place, vous travailliez avec l'AFD. Oui, c'est ça, exactement, l'Agence française de développement. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et du coup, je suis rentrée en septembre dernier. Donc,
D'accord. Donc, vous avez un vécu assez récent sur Jakarta et Exactement. Beaucoup d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes, oui. Je ne sais pas si je les raconterai toutes, mais en tout cas, j'ai un vécu assez récent et je pense que je peux vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Comment ça va se passer. Merci beaucoup. On va aller justement poser une question à Della Iskandar, qui est commerciale chez AGS Indonésie. Un petit focus logement, Della. Concernant l'aménagement à Jakarta, il faut savoir que le locataire peut être amené à régler de son arrivée la totalité des loyers qui correspond à la durée de son installation. La plupart des expatriés acceptent ces conditions. En effet, si vous louez une maison pour 2 ou 3 ans, le prix du loyer sera plus intéressant que sur une période courte. Merci Della de ce point de vue. Alors, une réaction face à ce qu'on disait à l'instant même ? Alors, c'est vrai que je pense qu'il a résumé assez bien le point principal qui est que quand on arrive... J'ai eu la chance, moi, d'avoir de travailler pour un organisme qui s'est occupé de mon logement. Mais de ce que j'ai compris de mes amis et de mes collègues sur place, c'est vrai qu'en arrivant, en général, quand on trouve un appartement, il faut déposer tout de suite au moins l'équivalent de 6 mois de loyer directement. Donc, ce n'est pas forcément évident pour les gens qui arrivent et qui cherchent du travail. Cela dit, j'ai eu l'impression quand même que le marché du logement était assez flexible. Ce n'est pas trop difficile de trouver du travail. Mes amis qui en cherchaient de trouver un logement. Oui, non, oui. Tout le monde avait entendu. Et mes amis qui en cherchaient, on en a tous trouvé en 1 ou 2 semaines. Donc c'est vrai que c'était assez facile à ce niveau-là. Les logements sont de bonne qualité. Bon, pas extraordinaires non plus, mais de bonne qualité, propre. Et c'est vrai qu'ils sont abordables. C'est pas non plus... mais c'est vrai que... Alors, vous habitiez où, dans quel quartier, vous ? Généralement, les gens, je crois, essayent de se rapprocher le plus possible de leur travail. C'est vrai que bon, on en parlera tout à l'heure, je crois, mais au niveau de la circulation, les déplacements c'est sont compliqué. Pas très évidents. On va y revenir dessus. Oui. Donc, plus on est près de son travail, mieux c'est. Et donc, souvent, j'ai l'impression que les gens se concentrent dans le centre-ville, donc dans toute la partie business, et là où se trouvent les écoles françaises et internationales, donc plutôt dans le sud. Une belle école française à Jakarta. Exactement, donc les familles ont plutôt tendance à se trouver dans le sud, près des écoles, pour éviter les déplacements des enfants. Et justement, les jeunes dynamiques dont parlait Madame l'ambassadeur sont plutôt dans le centre-ville. On va aller justement parler avec Marie Dumière des problèmes de circulation et on en revient à la vraie vie sur place quand on veut s'installer justement et s'implanter. Marie Dumière, alors, ces problèmes de circulation à Jakarta. Jakarta est une ville immense. C'est une des plus peuplées au monde et le système de transport en commun y est quasi inexistant. Il y a beaucoup trop de voitures sur les routes et c'est pour ça qu'une des premières choses qu'on remarque à Jakarta, ce sont les embouteillages monstrueux et complètement aléatoires. Le même trajet peut prendre 10 minutes comme 3 heures selon la circulation, ce qui n'est pas pratique quand on a un emploi du temps à respecter. Les habitants de la ville font tout pour essayer de gagner un peu de temps en ne respectant pas toujours le code de la route. C'est surtout le cas des scooters qui représentent environ 2/3 des usagers de la route. Et aux heures de pointe, on peut les voir arriver en troupeau, se faufiler entre les voitures, rouler sur les trottoirs, sur les files de bus, ce qui rajoute un peu plus au chaos ambiant de la ville. Le maire de Jakarta a enfin décidé de relancer un projet de construction de métro, mais la situation ne devrait pas s'arranger d'ici à plusieurs années. De retour sur ce plateau, alors une réaction justement à ces problèmes de circulation, Jean-Philippe ? Bon, écoutez, oui, c'est vrai que la circulation pose un vrai problème. Moi, j'y suis allé avec UbiFrance, qui est un formidable outil pour les PME comme moi, pour la prospection dans les pays lointains. Et ils avaient organisé les rendez-vous à travers la ville d'une façon très efficace, avec des voitures avec chauffeur, parce qu'il peut se passer entre 2 et 3 heures entre chaque rendez-vous, vu le trafic dans cette ville. Oui, ce que disait Marie à l'instant, c'est absolument. On peut mettre 10 minutes, ouais. On peut mettre 3 heures. Ouais, rarement 10 minutes, c'est plus 2 heures. Hein. Mais la courtoisie des Indonésiens permet de supporter cette petite difficulté avec humour. Donc, oui, Claire ? Non, c'est vrai que la ponctualité, du coup, ne fait pas partie du quotidien et les gens acceptent qu'on soit un peu ou très en retard, puisqu'ils le sont aussi. Oui, ils acceptent un léger retard. Et puis, il y a une courtoisie naturelle qu'on a en Asie et spécifiquement en Indonésie, qui est toujours de bon aloi. Donc, les rapports humains entre nous et les Indonésiens sont toujours très, très détendus et très sympathiques.
Oui, alors, puisqu'on parle quelques instants de culture et de relations avec les Indonésiens, comment vous avez pris contact en termes de business, enfin, en termes humains vis-à-vis du business, quelles sont les spécificités que vous avez pu voir apparaître assez vite? Alors écoutez, moi je fais beaucoup de missions avec Ubi France, qui, je le répète, est un formidable organisme pour les PME de mon style. Vous n'oublierez pas de leur envoyer une petite facture. Oui, non, mais vraiment. Non, ce sont des gens très, très Ubi bien. Ubi France, comme Oseo, aujourd'hui BPI, pour des sociétés comme les miennes, sont d'un apport considérable. Les missions sont très, très bien préparées, 3-4 mois à l'avance. Donc, les rendez-vous sont fluides et bien organisés. L'accueil des Indonésiens, qui sont très heureux de rencontrer les entreprises françaises, innovantes, puisque AguaSmart a le label innovation de BPI. Le contact est très facile et très construit, avec gens compétents et très courtois. Donc, l'Indonésie, moi, je suis... Vous recommandez. Je recommande, oui, je recommande absolument. Alors, les pays d'Asie en général et l'Indonésie en particulier sur ce plan-là. Claire, justement, la vie sur place avec les Indonésiens? Oui, mais moi, je disais souvent qu'en Indonésie, j'avais l'impression que tout était possible, mais compliqué. Donc, ça résumait assez bien, je pense, mon quotidien. C'est qu'il y avait toujours une solution à tout. Les Indonésiens faisaient en sorte de nous rendre service tout le temps quand il y avait un problème ou quoi. Mais c'est vrai que souvent, les choses sont très... Il faut prendre son mal en patience et ça peut prendre beaucoup de temps. Et voilà, c'est une bonne histoire humaine et on apprend beaucoup comme ça. On va justement aller interviewer Claire Toutain au sujet de cette population accueillante. Et juste après, Madame l'ambassadeur voudrait prendre la parole. Claire Toutain. Le grand plaisir de la vie à Jakarta, c'est la vie avec les Indonésiens. Il vaut mieux qu'elle soit agréable d'ailleurs, parce qu'étant donné la densité de population dans la ville, c'est incontournable. Ce sont des gens extrêmement gentils et souriants. Et j'ai été vraiment surprise au début d'ailleurs, étant donné leurs conditions de vie, qui sont pour la plupart difficiles, qu'ils ne soient pas plus agressifs, plus amers, plus tristes. Et je l'ai attribué à un certain fatalisme. Aujourd'hui, je dirais plutôt qu'en fait, la posture est la suivante. À chaque jour suffit sa peine. Et demain est un autre jour. Comme les jours se suivent et se ressemblent, demain est comme aujourd'hui, et donc ce n'est pas la peine de s'en préoccuper, de s'en inquiéter. Du coup, il règne une certaine, dans les rues, dans les quartiers, une certaine nonchalance qui est très agréable. Pour autant qu'on s'y laisse aller, il ne faut pas s'énerver, c'est pas la peine de se stresser, ça ne sert à rien. Mais ils sont plutôt à cet égard communicatifs. Et je résumerai cette expérience de vie en disant que c'est une belle expérience humaine et que je recommande à tous les futurs expatriés. Merci Caroline. Alors, Madame l'ambassadeur, vous vouliez intervenir, on vous écoute. Oui, je voulais simplement compléter les propos qui viennent d'être tenus en disant qu'évidemment, je partage tout ce qui a été dit, mais simplement pour rajouter un petit commentaire pour indiquer qu'il y a deux vertus qui sont cardinales en Indonésie, c'est la patience et la persévérance. On n'a rien si on est impatient et on n'a rien si on n'est pas persévérant. Donc il faut vraiment que lorsque les entreprises viennent en Indonésie, sachent qu'il faut labourer en Indonésie, c'est du travail de long terme, on n'a rien tout de suite et immédiatement. Donc il faut vraiment venir, revenir, garder un sourire permanent, comme le font les Indonésiens, ça a déjà été très très bien souligné. Et vraiment ce sont deux caractéristiques qui malheureusement ne se retrouvent pas souvent dans les entreprises françaises. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas plus présents en Indonésie, parce que nous ne sommes pas suffisamment patients et surtout, nous ne sommes pas suffisamment persévérants. Merci, Madame l'ambassadeur, pour cette intervention. Une réaction, alors, non pas au propos de Madame l'ambassadeur, on s'entend bien, mais à l'intervention de Caroline Toutain, justement, sur ce vécu sur place et cette vision des choses, Claire.
Oui, c'est vrai, mais je pense qu'elles ont toutes les deux raisons. Il faut être très patient et à côté de ça, les Indonésiens sont, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais très fidèles, je dirais qu'une fois qu'on a commencé à lier... Quand la confiance est là, elle voilà, est durable. On peut faire confiance, exactement, et ils sont toujours prêts à rendre service. Même les gens qui nous connaissent très peu ou qui ne nous connaissent pas personnellement, on ne peut jamais eu peur de demander à quelqu'un dans la rue, même dans la rue, de m'aider si j'étais perdue ou quoi. Et je n'ai jamais ressenti autant de confiance, c'est vrai, dans les personnes qui m'entouraient que là-bas. Donc pour ça... Cette vision, Jean-Philippe, justement, en tant que néo-jacquartien. Oui, moi, je crois que Madame l'ambassadeur a raison. Quand on travaille à l'export, et Agua Smart aujourd'hui est vu dans à peu près 120 pays, l'export, c'est de la patience, c'est de la persévérance. Vous connaissez la formule. Vous, les Européens, vous avez la montre. Nous avons le temps. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant, et relancer avec les cartes de vœux, prendre des nouvelles. C'est vrai qu'il y a un travail de fond à faire et expliquer, informer. C'est une relation humaine à instituer quelque part. C'est une relation humaine à instituer. Alors, je n'irai pas jusqu'à l'amitié, mais enfin, créer des liens suffisants au point de vue humain et professionnel pour que les uns et les autres aient envie d'arriver à compléter un projet et à le mener jusqu'à bon port. Donc, patience. Alors, travail. Il y a un des a priori qui potentiellement pourrait exister sur l'Indonésie et Jakarta, mais il faudrait qu'on le casse définitivement, je pense, c'est la notion de sécurité ou d'insécurité, mais je pense plus de sécurité du coup. Comment ça se passe sur place, en Jakarta particulièrement et en Indonésie? Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a différents aspects de la sécurité. Moi, je suis arrivée en Indonésie, moi, sans tout à fait savoir ce qui m'attendait. Donc, en regardant sur Internet, j'ai eu un peu peur au départ, en me disant pourquoi je pars là-bas toute seule, je suis une fille, comment ça va se passer. Et c'est vrai qu'au niveau de la vie quotidienne, moi, j'ai trouvé que c'était un pays relativement sûr. J'ai pas eu plus peur qu'à Paris. Enfin, je viens de Paris, en France, j'ai pas eu d'inquiétude particulière en me déplaçant dans la rue. Bon, c'est vrai que je faisais attention, mais comme je fais attention partout, et à ce niveau-là, j'ai pas eu d'inquiétude particulière. Jean-Philippe, vous voulez intervenir? Oui, je voulais dire que quand on va dans ces pays-là, que ce soit pour 15 jours, 2 ans ou 10 ans, on ne doit pas perdre de vue que nous sommes invités, nous ne sommes pas chez nous. Donc nous devons respecter les us et coutumes de ces pays, comme les étrangers, quand ils viennent chez nous, respectent les us et coutumes de la France. Donc respect et courtoisie envers les gens chez qui on voyage ou on habite pour un laps de temps plus ou moins long. Et dans ces cas-là, vous n'avez aucun problème avec la population. Il est évident qu'il y a des lieux, comme partout ailleurs dans le monde, où il n'est pas nécessaire d'aller parce qu'on est averti qu'il pourrait y avoir un problème. À 23h30, tout seul, clair. Ça peut vous arriver en France, aux États-Unis, comme partout dans le monde. Donc, si vous êtes respectueux des gens et courtois avec eux dans vos relations, il n'y a pas plus de problèmes qu'ailleurs. Et je pense que c'est la base de toute relation humaine, le respect, la courtoisie des gens chez qui vous êtes pour un laps de temps défini. Donc, on n'a pas de problème de sécurité à Jakarta? Alors, moi, je dirais simplement, je pense qu'on englobe aussi dans sécurité peut-être tout ce qui est accident de la route et de la circulation. En revanche, je dirais que... Enfin, moi, j'ai eu peur certaines fois. Faut apprendre à conduire. On ne conduit pas, de toute façon. les expatriés peuvent... Enfin, oui. J'ai connaissance de quasiment personne qui conduisait. Mais simplement, il y a tellement de circulation, on en revient toujours au même problème que s'il y a un problème, les secours sont loin et forcément, c'est long pour arriver. Exactement. Très bien. Donc, merci Claire de nous avoir accompagnés dans le début de cette émission. Une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants.
De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'international pour Jakarta. Et j'accueille sur ce plateau Pierre-Marie Hurlécom. Pierre-Marie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de la société éponyme. Dites-nous exactement ce que vous faites. Donc, j'ai créé une société il y a 7 ans de conseil en stratégie et fusion-acquisition, spécialisée principalement sur les marchés émergents ou les nouveaux grands émergents, avec pour particularité traiter les problématiques non pas par les aspects techniques, mais d'abord et avant toute chose, les aspects culturels. Donc c'est de l'interculturel ou c'est de l'accompagnement au business? C'est l'accompagnement au business par le prisme culturel. Il est important d'essayer de maîtriser les ambitions de son client ou de ses clients et de faire converger ses ambitions avec la réalité des aspérités locales, telles que les locaux attendent, perçoivent ou ambitionnent un dossier. Donc c'est quelque part, si vous me permettez l'expression, c'est un peu traduire en indonésien ce que le chef d'entreprise français penserait dans sa culture française. Exactement. D'accord, c'est à peu près comme ça que vous faites. Donc en fait, typiquement, notre ami Jean-Philippe pourrait être un de vos clients dans son approche. Ben, tout à fait. Certainement, oui, parce que je crois que chaque pays, chaque région du monde a une façon de produire et de consommer l'eau d'une façon différente. Donc là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de modestie pour savoir comment produire de l'eau, pour qui, à quel prix et de quel usage le consommateur indonésien ou autre va utiliser l'eau, de quelle façon le consommateur va utiliser l'eau. Donc là aussi, une approche effectivement culturelle, même artistique, si je puis dire, de la production d'eau potable, parce que les sites isolés, comme les villages, les îles ou autres, n'ont pas la même façon de consommer en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, et ne parlons pas de l'Europe ou du reste. Et vous, Pierre-Marie, là, pour l'Indonésie, vous aidez l'entrepreneur à trouver son premier partenaire pour justement signer et mettre un premier pas dans le pays. Exactement. Je l'aide d'abord à définir son projet, ce qu'il recherche, je l'aide à faire une étude de marché approfondie sur l'Indonésie et je screen, comme on dit, le marché pour trouver un partenaire qui soit quelqu'un avec lequel on aura de bonnes relations et qui sera sécure sur le moyen long terme. Le bon partenaire, c'est celui qui va vous aider dans toute la lourdeur administrative. On va revenir dessus, justement. Voilà. On va justement aller poser quelques questions à Alain Bonparlant, qui est conseiller au commerce extérieur, bien évidemment. Les niches à exploiter, Monsieur Bonparlant. Il est important d'avoir à l'esprit que Jakarta est au centre d'une conurbation de 23 millions d'habitants qui vient de connaître un développement urbanistique assez anarchique au cours des dernières années. Et pour les Jakartanais, les priorités d'aujourd'hui sont en effet tout ce qui est lié aux problèmes urbains, notamment le recyclage des déchets, que ce soit des déchets industriels comme des déchets ménagers, également tous les secteurs d'activité liés à la consommation, notamment la consommation alimentaire, et cela rentre directement dans les thèmes du mieux vivre en ville, du mieux se nourrir, et là on voit récemment l'ouverture de chaînes françaises, telles que Paul dans le sillage des Galeries Lafayette qui vient d'arriver, de jeunes Français qui ont ouvert des restaurants également, et là on voit bien que l'image française a toujours sa forte valeur ajoutée, qui permet d'attirer des masses de consommateurs assez importantes. Merci Alain Bonparlant. Une réaction justement à ces préconisations d'Alain Bonparlant? Alain a tout à fait raison, il y a énormément d'opportunités sur les déchets, sur la potabilisation de l'eau. Alors il faut mettre de côté quand même la distribution, puisqu'aujourd'hui le gouvernement de Jakarta pense à nationaliser. Il y a énormément de projets sur toute l'infrastructuration, on manque de routes, on manque de trains, on manque de tout un tas de choses. Et surtout, c'est les aspects construction. On se rend compte que sur les 20-30 prochaines années, je crois que le gouvernement indonésien a planifié plus de 300 milliards de dollars d'investissement, ce qui est quand même colossal comparativement à la Chine, comparativement à l'Inde. Alors, si on essayait justement, on a un accompagnateur, un chef d'entreprise, si on essayait de ensemble donner quelques conseils à un patron de PME qui se dit, tiens, pourquoi pas Jakarta, quelles seraient les premières démarches à faire? Donc, on a bien compris s'accompagner avec UbiFrance, on a bien compris appeler Pierre-Marie, mais comment concrètement, première étape, deuxième, troisième? Je crois que Jean-Philippe a raison, c'est que UbiFrance est un préalable. Après, il y a une chose extrêmement importante, il faut être à l'écoute des gens. Il faut arriver avec le low profile, l'humilité qui sied, et surtout
Ne pas vouloir, lorsque l'on arrive dans une entreprise en tant que partenaire, vouloir faire table rase du passé, vouloir tout changer. Les aspects culturels sont extrêmement importants. Une grande entreprise française qui a racheté il n'y a pas très très longtemps une société en Indonésie, Saint-Gobain pour ne pas la citer, il y a 2 ans, aujourd'hui c'était une pépite, aujourd'hui ce partenariat est en train de virer à volo. Un peu difficilement. Exactement. Donc ça c'est vraiment un des fondamentaux. Jean-Philippe, oui. Je crois qu'effectivement il faut être très modeste dans l'approche avec les partenaires indonésiens. Patience et travail. Ceci dit, ce que disait l'ambassadeur tout à l'heure, oui. Oui, Madame l'ambassadeur avait raison. Ceci dit, il faut pas non plus hésiter à bousculer un peu les autorités des pays où on désire s'implanter, notamment dans le problème de l'eau potable, comme dans les problèmes des déchets, le problème des eaux usées, parce qu'il y a des budgets pour ça. Et en ce moment, la croissance dans cette partie du monde est très importante, comme tout le monde le sait. C'est créateur d'emplois en France comme en Indonésie. Et je pense que s'il faut être patient et travailler et persévérant, il faut aussi de temps en temps un peu bousculer les habitudes de trop de patience, voilà. Gentiment toujours et courtoisement, bien sûr, avec courtoisie. Mais il ne faut pas avoir peur aussi, quelquefois, de montrer les bienfaits que peut apporter tel ou tel produit ou service, comme le fait AgroSmart dans différentes parties du monde. Ok. On va aller voir justement, on va retourner voir Alain Beauparlant, sur les partenariats recommandés par, bien évidemment, le conseiller du commerce extérieur qu'il est. Pour un investisseur français qui vise le marché de Jakarta ou même le marché indonésien dans sa globalité, il est primordial de bien choisir son partenaire. Quand on a affaire au secteur privé, je recommanderais hautement de choisir un partenaire sino-indonésien qui a l'habitude des affaires, qui a l'habitude de négocier avec les autorités locales, que ce soit aussi bien les douanes, le fisc ou le ministère du Travail. Merci Alain Beauparlant. Alors, Pierre-Marie, c'est du pain bémini, ce qu'il vient de nous dire. donc, il faut trouver le bon partenaire, comme vous nous l'aviez fait remarquer. Oui. Maintenant, j'ai pris contact avec vous, vous m'avez trouvé la bonne personne, ça a pris un peu de temps quand même. Je fais comment et administrativement parlant, ça se passe comment? Alors, d'abord, ça se passe comment? Il faut essayer de comprendre le marché dans lequel on a envie de rentrer. Mmh. On peut remarquer que dans tout ce qui est biens de consommation et l'industrie et distribution, la communauté sino-indonésienne a quasiment le monopole ou le quasi-monopole. Je crois que ça représente 80% de l'entrepreneuriat. Notons quand même que les sino-indonésiens, sur les 10 plus grandes fortunes indonésiennes, il y en a 8. Et aux 8 premières places. Ensuite, il faut essayer de comprendre quelles sont les réglementations, qui sont extrêmement mouvantes et très rapides en plus de cela, et quelles sont les opportunités privées ou opportunités publiques. En fonction de cela, il faut faire la cartographie des acteurs, puisque c'est mieux de partir à partir d'un existant, et regarder quels peuvent être les gens, en fonction des régions et des îles, oui. Les plus connectés d'un point de vue business et aussi d'un point de vue administratif. Une fois qu'on a compris cela, il faut surtout s'assurer que le partenaire est quelqu'un qui ne soit pas plus blanc que blanc, parce que généralement ça attire l'œil, mais plutôt quelqu'un qui soit recommandable à la règle indonésienne. On n'est pas en France, on n'est pas aux US. L'Indonésie, c'est un pays où il faut être effectivement très camarade avec les autorités, avec l'administration, pour faire accélérer les choses. Ça passe, bien évidemment, de l'amitié, c'est les invités, c'est ceci, c'est cela. Et puis, surtout, le partenaire doit être un moteur ou un garant de préserver tout ce qui est pratique corruptive. Malheureusement, la corruption en Indonésie, il ne faut pas le dénigrer, elle existe et elle est omniprésente. Jean-Philippe, alors justement... Oui, je voulais rebondir là-dessus en disant que l'eau est la seule matière commune à 7 milliards d'habitants sur la planète. On doit tous boire de l'eau une fois jusqu'à par jour. Présent, oui. on peut se passer de caviar, de champagne, de Bordeaux, je suis moi-même bordelais, mais l'eau, tout le monde doit en boire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, à partir de là, on doit respecter les conditions locales des pays où on s'implante, en Indonésie en particulier pour ce qui nous concerne. Et Pierre-Marie a raison de dire qu'il faut bien identifier et valider le partenaire avec qui on souhaite monter un projet et commencer une aventure, parce qu'il y a des choses trappes, positives ou négatives, dans le parcours du combattant que l'on doit mener dans chaque pays. Et toute aide locale est bienvenue pour nous aider à éviter les choses trappes dans lesquelles on peut tomber. Juridiquement, ça se passe comment? On est obligé d'avoir une joint venture? Alors,
on n'est pas obligé. Il y a des secteurs qui sont réglementés. Il y a une liste qui est, que l'on peut retrouver à la Negative Investment Authority. Généralement, on est capé en tant qu'étranger. Sur le partenariat, j'ai envie de revenir un peu sur ce que disait Jean-Philippe. Il faut que le patron, quel qu'il soit, de quelque pays qu'il vienne, quand il vient en Indonésie, il donne de son sang. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on a un des plus beaux partenariats au monde. On a Danone Aqua. C'est le plus gros producteur et vendeur d'eau au monde. C'est plus de 10 milliards de litres. Cette société, il y a quelques années, lorsqu'elle a été mise sur le marché par les autorités indonésiennes, Nestlé et Danone se sont positionnés. Danone, Franck Riboud himself, est venu un paquet de fois, il a donné des ronds de jambes, etc. Il a accueilli des autorités indonésiennes à la maison, boulevard Haussmann, et il leur a fait visiter personnellement tout un tas de choses, et il a toujours été le leader. A contrario, Nestlé les a emmenés péniblement chez Nestlé Waters, une filiale, et ne les a pas emmenés voir le président de Nestlé à Vevey, ni même le président de Nestlé Waters. On est resté à des niveaux très intermédiaires. L'Indonésie, c'est un capitalisme familial. Oui, il faut qu'on se connaisse. On revient sur cette logique de confiance, exactement, de personnalité. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants après la page de pub. Et Madame l'ambassadeur veut parler, donc elle prendra la parole juste après la page de pub. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'international. Nous sommes pour Jakarta. Madame l'ambassadeur, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais renchérir sur ce qui vient d'être dit sur les deux autres mots extrêmement importants qui concernent l'Indonésie, c'est relations et confiance. L'Indonésie est un pays dans lequel la relation personnelle est absolument fondamentale. Le choix du partenaire, ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, est absolument essentiel. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter pour les entreprises ou les auto-entrepreneurs même qui viennent en Indonésie. Il ne faut pas hésiter à interroger UBI France, la Chambre de commerce, les services français, les conseillers du commerce extérieur, qui pourront être à même de donner leur sentiment sur tel ou tel partenaire pressenti. Je voudrais compléter aussi en disant que l'Indonésie, ça n'est pas que Jakarta. On a évoqué tout à l'heure les îles et les provinces. Il y a énormément de projets de développement dans d'autres îles ou même sur Java. La ville de Surabaya est en explosion actuellement et est un énorme port pour toute l'Asie du Sud-Est. Donc surtout, ne pas s'intéresser qu'aux projets de développement sur Jakarta. Voilà. Merci Madame l'ambassadeur. Alors, le temps nous est compté, comme toujours. Eh bien, il me reste à vous remercier et j'aurai juste une toute dernière question. Qu'est-ce que vous voulez ajouter vis-à-vis justement des collaborateurs sur place, de manière assez concise ? Main d'œuvre peu qualifiée de formation, mais qualifiée par le travail.
chose extrêmement importante, l'anglais est pour eux un statut social. Leur apprendre l'anglais, c'est un point plus et ça permet de garantir la fidélisation. La main-d'œuvre, elle est relativement volatile pour les groupes étrangers. En revanche, elle est très fidèle aux familles. C'est un point important. Merci, merci Pierre-Marie. Alors, Jean-Philippe, vous vouliez ajouter juste avant le financement, mais Madame l'ambassadeur a tout évoqué sur comment reprendre pour les PME, ne pas oublier tous les soutiens, les conseillers au commerce extérieur, bien évidemment, l'AFD, tous les gens dont on a parlé pendant l'émission. Oui, tout à fait. Cependant, moi, je participais hier à Bercy pour l'export avec M. Moscovici et Mme Nicole Bric. Les PME comme moi, nous avons besoin de financement en ce moment, quand nous démarrons, parce que nous donner de l'argent quand on aura un chiffre d'affaires, quand on l'a déjà gagné, quand on l'a déjà gagné, c'est pas la peine. Donc hier, nous avons beaucoup insisté, tous les chefs d'entreprise qui étaient à Bercy, pour dire que c'est maintenant qu'on a besoin d'aide. Et je dois dire que BPI le fait à sa façon, mais quelquefois les FASEP à monter avec la direction du Trésor, etc., etc., et l'AFD qui s'évertue à nous proposer des financements de 2-3 millions d'euros quand la majorité des PME n'ont besoin que de 200 ou 300 000 euros, ce qui est déjà de l'argent, bien entendu. On se prive de booster des PME à l'export qui ne demandent pas 10 millions, mais quelques centaines de milliers d'euros pour créer des emplois et faire de la croissance dans des pays qui, eux, sont merci en pleine Jean-Philippe, croissance. Vous avez compris, il est en pleine dynamique et il était dans son émotion. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette émission. Merci, messieurs. Merci, Pierre-Marie. Merci, merci, merci de nous avoir reçu. Jean-Philippe. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour la Suisse et pour la 13e ville des 24 heures chrono de l'International. À tout à l'heure.